En dépit de l'exploitation du pétrole, l'agriculture doit rester comme le moteur essentiel à la croissance de l'économie tchadienne. C'est le vœu le plus ardent du président de la République, Idriss Déby Itno. Il n'a cessé de rappeler cette déclaration lors des grands événements. Le 8 août 2016, à l'occasion de son investiture, le chef de l'État a mis un accent particulier sur le développement du monde rural, car plus de 80% de la population vit en milieu rural. La plupart d'entre elles dépend directement ou indirectement de l'agriculture pour sa survie. Actuellement, le portefeuille concernant le secteur de l'agriculture est important parce que ça couvre à peu près une vingtaine de projets qui sont en cours. Il y en a qui sont en début d'exécution, il y en a qui sont en phase de démarrage, il y en a qui sont en phase de bouclage. La question du développement à la base est aujourd'hui au cœur des enjeux politiques, économiques et environnementaux. Au Tchad, l'agriculture joue son rôle de production des denrées alimentaires et des cultures de rente, à l'exemple du coton, de la gomme arabique et bien d'autres produits destinés à l'exportation. La première contribution du secteur agricole, y compris l'agriculture vivrière et commerciale, l'élevage et la chasse, la pêche et la sylviculture, représente une part non négligeable. On a vu que durant les deux dernières années, le Tchad s'est doté d'une politique semencière. Le Tchad est dans le processus d'adoption d'une loi d'orientation agro-silvopastorale. Ce sont deux instruments très importants qui, mis en œuvre, peuvent donner des résultats importants. Dans tous ces domaines, le gouvernement a procédé à des réformes, adopté des politiques et des stratégies nationales de développement. La NADER est une structure qui a été mise en place pour pouvoir rendre plus efficaces les interventions dans le domaine. En dépit du fait que cet instrument connaît en ce moment une limite dans l'opérationnalité pour diverses raisons, nous pensons que cet instrument, dont la mission sera revue très bientôt, sera un instrument efficace dans la promotion de l'agriculture. La multinationale singapourienne, Olam International, et le gouvernement tchadien sont parvenus à un accord relatif à la privatisation partielle de la Coton Tchad, société nouvelle. Déjà très active en Afrique, cette société vole ainsi au secours de la société nationale qui fait face à d'énormes difficultés. C'est vrai que cette filière a rencontré des contraintes importantes. Cette année, la production sera faible parce que la couverture des enlavures comparée aux autres années est très faible. Mais il y a un travail de relance qui se fait par la Coton Tchad qui a reçu une contribution importante de la société Olam, actuellement qui travaille sur le terrain, pour pouvoir reconquérir les producteurs. À travers toutes ces initiatives, le Tchad entend promouvoir le monde rural pour envisager l'avenir avec sérénité.